Choupinette reprennent l'école aujourd'hui. Donc si vous avez suivi mes vlogs, en tout cas je vous mettrai l'autre vlog ici, vous savez peut-être qu'elles ont changé d'école. Elles étaient dans une école chinoise et j'avais quand même quasiment 3 heures de bus tous les jours, puisque je n'ai pas de voiture ici à Singapour, pour les déposer. En tout cas, aller les chercher et les déposer, aller les chercher. Donc nous avons décidé de changer d'école. Bon, pas que pour cette raison, pour d'autres raisons. Et nous avons trouvé ici une école pas loin de chez moi. D'ailleurs, là, on ne prend plus le bus, on y va en marchant. Voilà. Et c'est une école malaise musulmane. Donc voilà, c'est le premier jour des filles. Elles étaient toutes contentes aujourd'hui d'avoir leur uniforme. Et j'ai eu une semaine, au fait, pour les rendre propres. Puisque lorsque nous sommes revenus de la France, j'avais 10 jours au fait à la maison. Donc j'ai décidé de commencer au fait la propreté et pour l'instant ça marche très bien. Donc là c'est parti, on va déposer les filles à l'école. En tout cas j'espère que cette première journée se passera bien pour elles. C'est parti, vous êtes prêtes les filles? Bon alors, donc là elles sont à l'école, j'attends, elles ont pleuré. Elles ont pleuré, surtout Mariam, elle ne voulait pas me quitter, mais en même temps, voilà, ça fait un mois qu'elles sont avec moi, donc du coup, elles ont perdu l'habitude, mais je ne les entends plus. La grosse psychopathe qui reste devant l'école, je ne les entends plus. Je ne les entends plus pour l'instant, donc elles se sont calmées assez rapidement, mais je pense qu'il y aura un petit moment d'adaptation. Voilà. Ok les filles, donc c'est parti, je vous montre en fait un peu la route que je prends le matin. Donc en gros, l'école, elle est juste là, et chez moi, c'est juste derrière là-bas. Le souci c'est que pour traverser, il y a juste un pont. Voilà, c'est pas possible de traverser, il faut prendre le pont. Donc du coup, l'astuce qu'on a trouvée, c'est de couper par, comme tous les gens font, par un centre commercial, en fait, un genre de centre qui est juste ici. Donc du coup, en fait, ça permet en même temps d'être tout simplement dans l'airco. Et ça permet en plus de ne pas être sous la pluie, parce que là, on arrive là dans la saison, il va commencer vraiment à pleuvoir de plus en plus. Donc voilà, j'ai pris l'ascenseur et au fait, je vais ressortir par le bout là-bas et j'aurais plus qu'à traverser le pont et à remonter la rue pour arriver chez moi. Donc du coup, au fait, ce qui est bien, c'est que si jamais je sors de la maison et que le bus arrive, je peux le prendre, mais c'est que 2 stations et au fait, il me dépose vraiment en bas du pont. Donc du coup, hop, j'ai le pont à prendre. Je coupe par ici et je traverse et l'école est de l'autre côté. C'est dommage parce qu'en fait, si je pouvais traverser, s'il n'y avait pas cette histoire de pont, ça irait vite, mais bon, tant pis. Après, en même temps, les filles, elles s'éclatent sur le pont. Elles sont super contentes de monter les escaliers toutes seules. D'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'on le prend, puisqu'on y est allé chercher les uniformes samedi. Et ce matin, Rania, au fait, a réussi à prendre des escaliers, parce qu'habituellement, en fait, elle monte, vous voyez, un pied, le même pied. Mariam, elle alterne pied droit, pied gauche, pied droit. Et là, ce matin, Rania, elle a commencé à comprendre le truc en regardant sa sœur, et elle a commencé à alterner pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. En fait, en gros, j'y suis. Le pont, il est juste derrière ici. L'école est de ce côté-là. Et j'habite dans la rue que vous voyez. Là. La rue ici. Bon, coucou les filles, j'espère que ça va. Alors, la journée, elle a passé super vite, franchement. Donc là, je vais aller à pied. Si j'arrive à avoir un petit bus, tant mieux. Sinon, j'irai à pied. Je vais chercher les filles. Mon mari a appelé dans la matinée. Je lui ai demandé d'appeler pour savoir si... si ça allait, et la professeure a dit que ça... Enfin, la professeure, l'une des professeurs, un site plutôt, a dit que ça se passait plutôt bien, qu'elles avaient bien mangé, mais qu'elles ne voulaient pas faire la sieste. Voilà, donc là, je vais rentrer, je vais aller les chercher, et je vais voir un peu comment ça s'est passé, en tout cas. J'espère qu'il n'y a pas eu trop d'accidents pipi, caca. Et voilà, donc c'est parti, oui. Donc voilà, en fait, j'ai été récupérer les filles. Écoutez, la journée s'est plutôt bien passée. Elles n'ont pas eu d'accident, en tout cas, niveau pipi caca. Elles ont compris, elles font ça dans les toilettes. Elles ont dormi. Et voilà, apparemment, ça s'est bien passé. Elles étaient contentes de me retrouver. Donc voilà, maintenant, elles se sont vraiment adaptées vite par rapport à la dernière fois. Mais c'est tout simplement du fait qu'elles avaient déjà été 3 mois donc dans l'autre école chinoise. Donc voilà, je suis plutôt contente en tout cas, et je suis contente de les retrouver surtout. J'espère comme d'habitude que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.